tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, calendrier de l'Avent. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie que la vidéo de la semaine dernière vous ait beaucoup plu. Donc ça me fait très très plaisir. Aujourd'hui donc on est samedi 8, si je ne me trompe pas. Et vous verrez donc l'ouverture des calendriers du 8 au 15, au vendredi 14 ou 15, un truc comme ça. Et puis vous verrez cette vidéo un dimanche. Donc je vous mettrai en barre d'infos les vidéos de Elodie, puisque je fais un swap calendrier là avec Elodie de la chaîne Elodie Moitou. Et puis je vous mettrai la première vidéo si vous n'avez pas vu la première partie, le 1 à 7. C'est parti. Donc l'indice du jour pour un projet photo, un prochain projet photo. Et c'est trop rigolo parce qu'elle m'a dit mais ça je crois que c'est un doublon et tout machin. Donc si c'est un doublon qui vient de chez Action, ben je lui ai dit que c'était pas grave parce que premièrement c'était pas cher donc c'était pas beaucoup d'argent perdu. Et en plus de ça, vu la forme que ça a et que c'est un... Ça m'a l'air d'être une sorte de carnet, vous savez, pour faire les albums photo scrap. Je pense que ça me plaira parce que la dernière fois j'en ai acheté deux chez Action dans mon dernier haul. Mais j'aurais pris, s'il y en avait eu d'autres en rayon, j'en aurais pris d'autres. C'est parce que là il n'y en avait que deux, donc j'ai pris les deux derniers. Donc si c'est ça, je suis ravie, Elodie. Allez, et oui c'est ça, et c'est trop bien. Alors celui-ci il est tout simple, il est tout noir, tout basique. C'est très 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 bien. Donc j'en avais acheté deux la dernière fois. Donc là je pense que c'est le même format en plus. Donc c'est parfait, c'est du papier noir à l'intérieur. Et c'est un fond noir, enfin c'est parfait. Donc cadeau numéro 8, top. Coucou, on se retrouve pour le calendrier de l'Avent jour 9. J'ai préparé le 10 pour le mettre dans ma valise puisque aujourd'hui je pars sur Paris. Le jour 11, sachant que c'est un énorme paquet Yankee Candle, je vais pas l'emmener pour éviter tout casse au cas où. J'ouvrirai soit mardi soir tard, soit mercredi matin, vous m'en voudrez pas. Donc voilà, donc le 9 aujourd'hui, une gamme que tu aimes pour ton corps. Ça ressemble à une crème pour les mains, une crème pour le corps peut-être de chez Rituel puisque c'est une gamme que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Sinon j'ai pas d'autre idée. Hey, trop forte! Effectivement, c'est une gamme que j'adore pour le corps. J'en ai fini au moins 2-3 petites bouteilles comme ça. J'ai pas encore acheté le gros packaging, mais j'aime bien le fait que ce soit en petite comme ça pour emmener partout. Donc c'est la gamme, comme le gel pour les mains qu'elle m'avait offert la semaine dernière. Ça sent tellement bon. À la fleur de cerisier, au riz au lait, je crois que ça se dit comme ça. Ça sent tellement bon. Donc là, j'ai terminé ma dernière crème et après je l'utiliserai avec plaisir. Ça, c'est une odeur en plus que j'adore pendant ces moments cocooning. Cocooning les verres! On se retrouve demain! Coucou, on se retrouve mardi dans un cadre particulier puisque je suis chez mon papa et impossible de trouver une lumière un peu potable. Donc on se retrouve dans la salle de bain de mon papa avec le cadeau numéro 10 qui est l'indice hâte d'avoir ton avis car j'ai jamais testé cela. Alors, elle m'a fait des pièges cette petite coquine d'Elodie puisqu'elle m'a fait des grands paquets. Mais tu sens qu'elle a un petit truc, c'est-à-dire qu'elle voulait peut-être pas que je devine. Alors vu la forme intérieure, je dirais un rouge à lèvres, mais peut-être que je me trompe. Alors, un truc qu'elle n'a pas testé. Je vais dire, qu'est-ce que c'est cette marque? Trop bien! Et en plus, je me doutais un petit peu que c'était du Colourpop. Je vois que t'as bien craqué chez Colourpop. Donc, la gamme Luxe, on dirait Give Me Some Lip. Luxe Lipstick. Donc, la teinte Mind Trick. Donc, moi, je peux pas te dire si je connais, puisque je ne connais absolument rien de chez Colourpop. À part ceux qui ressemblaient à ceux que tu m'as offert la semaine dernière. Oh, le packaging est trop trop beau, un peu comme ça. Légèrement rose gold ou cuivré pour celle qui... Faites voir, ça va bien avec ma montre Daniel Wellington. Ouais, c'est la même couleur, donc c'est bien rose gold. Donc Colourpop avec plein de petites étoiles, je sais pas si vous verrez. Les petites étoiles blanches là en haut et en bas. Oh, il est trop beau. Mais il est magnifique le packaging. Enfin, le packaging et le raisin, il est magnifique. C'est une sorte de... Vous avez vu, il y a des étoiles à l'intérieur et tout. Et une sorte de marron cuivré. Le Mind Trick. Oh, il est magnifique. Ah, j'ai pas du tout ce genre de couleur. J'ai pas du tout ce genre de couleur. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, pareil, j'essaierai de vous mettre une photo à la lumière du jour. Quand je l'aurai bien mis. Et voilà. Hein, parce que là, il est quand même 21h30. Donc je vais le mettre et je vous mettrai une petite photo. Il est trop beau, c'est une sorte de marron un peu vieux, un peu violet, n'importe quoi. Un marron un petit peu orangé, mais je sais pas, c'est une jolie couleur, vraiment très belle, très beau choix. Donc, trop bien, trop bien, trop bien. Coucou, on se retrouve pour le cadeau numéro
11, puisqu'aujourd'hui on est le 11 décembre, donc le voici. Ah bah, je perds déjà mon indice, bravo. Alors l'indice du jour dans ta wishlist, alors laquelle j'ai pris? Donc je pense que c'est une bougie Yankee Candle comme le packaging le donne. Laquelle? Parce que j'avais mis plusieurs dans les nouvelles collections, les carrés entre guillemets, parce que c'est à cause d'elle, encore une fois, à cause d'Elodie, que j'ai envie de ça, hein, c'est elle qui me donne des envies. Les nouveautés des fêtes et tout, j'ai dit, mais alors laquelle? J'en ai mis plusieurs, les odeurs me disaient bien. Est-ce que je peux y arriver? Voilà. Honnêtement, là, j'ai pas d'idée sur laquelle, mais en tout cas, c'est une vie un petit peu. Oh, ça sent divinement bon, tout bien. À travers la, le paquet, l'emballage, ça sent super bon. Oh, elle sent trop bon. Elle est toute blanche. Laquelle aurais-tu choisi? Ah, bah oui. Linge propre. Pour moi, ça sent trop bon. C'est trop agréable. Et alors, du coup, les nouveautés, c'est que tu peux poser comme ça, je crois, c'est ça. Donc, c'est une bougie de 3 mètres chez Yankee Candle. Oh, ça sent tellement bon. Mais c'est pas l'odeur que je connais de chez. Ça doit être un peu une nouvelle version, entre guillemets, mais ça sent trop bon, linge propre. Donc, cadeau du jour, extrêmement parfait. Il n'y a rien à dire, parce que là, c'est un sans faute. J'ai peur pour mes cadeaux, hein, quand même. Mais en tout cas, top. Merci beaucoup, Elodie. Coucou, on est aujourd'hui le 12. Sur mes lèvres, je porte du coup le fameux rouge à lèvres Colourpop que Elodie m'a offert, le Mind Trick. De la collection luxe comme ça, de, un peu packaging gold, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un marron orangé, vraiment ce que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe. Du coup, j'ai fait un maquillage un peu avec la Huda Beauty Topaz dans les tons orangé, marron aussi. Peut-être ça fera trop, mais c'est pas grave, j'avais envie aujourd'hui. Bref, numéro 12 aujourd'hui, toi tu fais Paris-Lille, ici c'est Paris et trois petits points. Et ça ressemble à une palette ou quelque chose comme ça. Paris quoi? Paris quoi? Alors là, une palette, Paris quelque chose, mais qu'est-ce que ça peut être? Peut-être de chez Lollipop, il y a des palettes Paris quelque chose. Mais alors, Paris New York? Ça sert à rien. Je sais pas. Ah non, pas du tout. C'est pas une palette, c'est du chocolat. Trop bien. Ah bah, j'allais dire Paris-Brest, mais j'étais pas sûre, parce que je sais, c'est pas la forme d'un Paris-Brest. Trop sympa. Donc, du chocolat Lindt, encore une fois. Le Paris-Brest infiniment praliné. Je connaissais pas du tout. Mais c'est marrant, tu me fais découvrir des Lindt que je ne connais point. Je sais qu'il en existe plein de gammes comme ça. Mais alors, celui-là, Paris-Brest, je ne connaissais absolument pas. Donc, on va déguster ça tout à l'heure. J'ai pas encore goûté le nougat. Je le gardais précieusement. Mais entre le nougat et celui-ci, je pense que je vais me tourner en premier sur celui-ci parce que c'est vraiment un truc que je ne connais pas. Je me demande vraiment si ça goûte Paris-Brest. Donc, avec ma maman qui est là, on va tester et puis je vous dirai ça sur les réseaux sociaux. Coucou, on se retrouve pour le cadeau du 13 qui se présente comme ça. Petit indice du jour, une famille à secouer. Vous êtes si beau. Ah, c'est une boule de Noël personnalisée, je pense que ça doit être ça. C'est marrant, je l'ai vu sur les sites de partenariat, c'était sur Evency, je crois, mais j'ai pas demandé. Mais je trouve ça trop mignon, c'est ça. Oh, alors d'un côté, il y a mon fils et mon mari, et de l'autre, il y a moi et ma fille. On est trop beau. Alors vous verrez pas, parce qu'il y a toutes les paillettes qui sont secouées, mais là, il y a ma fille et moi. Et de l'autre côté, il y a mon fils et mon mari. Oh, c'est trop mignon. C'est une super idée. Alors, je sais pas où t'as fait ça du tout, parce qu'il n'y a rien écrit. Ah oui, ça s'enlève et en fait, on peut glisser les photos à l'intérieur et les modifier quand on veut. C'est trop une bonne idée. C'est trop bien. Bah ça, écoute, et en plus, c'est dans les couleurs or, donc ça va aller dans ma chambre. Parfait. Merci. Coucou, on se retrouve pour le jour 14. Sur mes lèvres, je porte le Muse Huda Beauty. Aujourd'hui, j'ai fait presque make-up que Huda Beauty avec l'highlighter Huda Beauty. J'ai mis mes éclairages pour que vous voyez bien le maquillage, le make-up. Et si vous voulez un tuto du coup avec la nouvelle palette Huda Beauty, voilà. Mais moi, j'aimerais bien faire un tuto, vraiment quelque chose de plus hard, un peu plus poussé, un truc un peu plus, voilà. Enfin, je vais tenter, hein, bien sûr, je dis bien ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je vous avoue que pour une première utilisation, je suis plutôt conquise. Donc voilà, c'est la petite parenthèse du jour. On se retrouve pour le cadeau 14, donc oui, parce qu'aujourd'hui 14 et c'est le dernier pour vous. Tu en as plein, mais tu es fan de cette marque. Alors je pense que c'est un beurre corporel vu le packaging. Et j'en ai plein, c'est vrai, mais j'adore les beurres pour le corps.
Et la marque, je pense, alors là, peut-être Lush. Vu le format, peut-être Lush, mais peut-être je me trompe. Alors non, ce n'est pas Lush. Ah, c'est Rituals. Elle m'a acheté toute la gamme que j'adore de chez Rituals. Alors, du coup, est-ce que c'est le corps, c'est le beurre pour le corps ou pas? Ah non, c'est l'exfoliant encore. Alors j'en ai plein, mais j'en ai moins que des beurres pour le corps, donc ma foi c'est cool. Je vais regarder si j'ai encore le gel douche en stock, comme ça je pourrais faire un combo gel douche plus exfoliant. Enfin bon, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'en ai un que je vais finir là sous la douche hein, de chez Lush. D'ailleurs, je vais vous faire un article dessus très prochainement, ou si peut-être il est en ligne, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, je suis trop trop ravie, bien sûr, c'est un must-have pour moi, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc, Elodie ne pouvait pas se tromper, je te remercie du fond du cœur. Bon mais on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à liker, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à réagir, à aller voir bien sûr ce que moi je vais envoyer pour cette semaine-là. À revoir la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Et pour la suite et la fin même peut-être, non? Oui, je pense. À voir, il faut que je vérifie avec Elodie, mais je pense, oui, la suite et la fin. Donc en tout cas, pour l'instant, je suis plus que ravie de ce calendrier de l'Avent avec Elodie. Je pense même que c'est le meilleur que j'ai jamais fait. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais d'énormes bisous. J'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous dis à très très vite. Salut !